Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et bien, on continue les petites ouvertures avec un spot magnifique. On va chercher un spot bien sympathique pour proposer ces deux autres boosters hein, qui étaient dans le coffret Elector. Hein, je te rappelle que j'avais trouvé grâce, et je le remercie encore beaucoup, beaucoup, un follower. Il m'avait dit dans mon Carrefour, tu peux trouver des coffrets Elector 151. Donc franchement, la régalade. Et comme je t'ai dit, hein, moi, ce n'est pas l'objectif de les garder en scellé, c'est simplement de vous proposer de jolies ouvertures. Et on a un petit concept là qui est mis en place. Je pense qu'on va durer, ça va durer. C'est de faire un spot ouverture, opening, comme ça, sympathique. Donc, j'avais ouvert donc deux boosters. Je t'invite à regarder ma vidéo précédente. Et le tirage n'a pas été foufou, hein, je te l'accorde. On avait eu le petit sablette en reverse, l'énergie plante en reverse, le tentacool en reverse. Rattata Reverse, Krabby Reverse, donc tu vois, pas exceptionnel. Mewtwo Holo et le petit Voltali Holo. Donc j'espère me rattraper sur ce coffret-là. J'ai encore un autre coffret, j'en ai pu en trouver deux. Franchement, si j'avais pu en trouver un peu plus, j'aurais fait des stocks parce que je trouve que c'est un concept qui est très sympa, très agréable à vous proposer. Et je pense que... Alors je vais voir 6.5, il faut que ça soit une série... plutôt généreuse, qui drop assez régulièrement. 151, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Destinée occulte, destinée radieuse, 25 ans, tout ça, c'est des séries qui marchent plutôt bien pour ce type de concept. J'espère que 6.5, ça sera le cas. Sinon, on fera peut-être du Destinée de Paldea. Je sais que c'est trouvable encore assez facilement, sous forme de tripack par exemple. Donc, pourquoi pas. Allez, let's go, je vous emmène avec moi. Place aux images. Allez, on continue, je cherche un spot et je pense qu'on va aller par là-bas. Voilà, par là-bas on va aller et ben, je vous emmène hein, tout simplement. J'espère être plus chanceux que la dernière fois, évidemment. Là, mon petit jouet club de quartier, ben, y a pas mal de stocks, tu le vois pas, peut-être que c'est au fond là. Il y a énormément d'items Pokémon, donc ça c'est plutôt cool. Bon, ben, on continue hein, pour trouver ce sympa spot où on va tout simplement faire une jolie ouverture et on croise les doigts encore hein. Croise les doigts puis comme je t'ai dit pour 6.5 j'espère que le taux sera sympa parce que du coup c'était un petit peu l'avantage des séries 0.5 c'était que ça soit ludique en fait. Après j'aime bien les fairy box donc ça peut être cool hein. Allez, on continue. Franchement, ces deux petits boosters, ils méritent un joli décor. Là, on est dans un petit parc bien sympa. En plus, en plein été, comme ça, il fait un peu plus frais. Donc ça, c'est plutôt cool. Direction, on va aller par là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les lieux. Voilà, bon, en tous les cas, c'est très, très, très sympa. Bon, je t'avoue que je tourne la vidéo le soir. Il est quasiment 21h. C'est plus tranquille. Et comme je disais précédemment, pour 6.5, on fera des petites vidéos comme ça avec 6.5. Ça, c'est plutôt cool. On fera des petites vidéos comme ça avec un joli décor. Mais ce que j'espère, c'est que sur ce genre de vidéo, faut que ça drop un petit peu, tu vois. Donc, faut pas que ce soit sur des séries trop classiques. Allez, on continue. On arrive pratiquement là où je vais vous emmener. Hein. Allez, on y est quasiment. Regarde-moi cette vue, hein. Très très sympa. Et on va aller peut-être tout au fond. Voilà, peut-être par là. Tu verras, je t'emmène. Allez, let's go. Allez, c'est parti. On va se mettre là. Voilà. Je pense que la vue est plutôt pas mal. Ici, tu reconnais peut-être le musée. Allez, c'est parti. Alors pour moi, pour le cadrage, c'est pas optimal. Je vais sortir quand même mon petit classeur là, pour ranger les cartes. Voilà. Et on y va, alors j'espère que tu entends bien. Peut-être la prochaine fois, je mettrai un petit micro. Allez, c'est parti, premier booster. Alors rappelle-toi, la première ouverture, je t'invite à la regarder, hein, évidemment. On n'a rien eu de bien. Voilà, alors je mets ça de côté. On va essayer de ne pas faire en volé. Allez, ça c'est la carte énergie. Hop, que dalle. Et on y va. On espère quoi? Moi j'ai envie de te dire, ce qui me fait vraiment plaisir, ce sont les AR. Hein. Allez, un petit racaillou. Un petit rondoudou. Un petit Starry. Le Salamèche. Qu'on va certainement avoir dans le coffret Dracaufeu là qui va arriver. En Cosmo Holo. Le Nidoking. En Pliflore.
Allez, on a là. Oh, très jolie reverse. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. La petite Evoli reverse. Très, très sympa. Ça, ça fera partie des reverse sympathiques, évidemment. Allez, on a une autre reverse avec le petit art. Et tu vois, tu sens la clim qui arrive. Et le petit Rafflesia. Bon. Coffret avec rien, ça serait fou. Dernier booster. On croise les doigts. Ça fait 4 boosters, hein. Je ne dis pas 4 boosters quand même. Normalement, on devrait avoir quelque chose de sympa. Allez, on met ça de côté. L'énergie. Ah, énergie brillante. Énergie reverse. Allez. Comme je t'ai dit, on va chercher un autre spot et on fera l'autre coffret, évidemment. Allez, un petit rond doudou. On a Starry. Le Salamèche, encore une fois. Il doit tomber trop souvent, Salamèche. Il doit être plus printé que les autres, hein, tout simplement. Piaf avec. Air bizarre qui est magnifique. Allez, le petit Flagados. Allez, on continue avec Machoper. Oh, Magnétion, très sympa en reverse. Allez, s'il te plaît. Non. Ah. Oh là là, on se met bien. On se met très très bien. Le Carabaf qui tombe. La petite AR qui nous rentabilise. Le coffret, évidemment, hein, très sympa. Et on fera le doublé. Non, on ne fait pas le doublé, mais on a un petit ossature. Excellente ouverture. Ben, au final, tu vois, sur 4 boosters, eh ben, c'est ce que je t'avais dit, hein, évidemment. 151, c'est ça qui est cool. J'ai envie de te dire que tu es rarement perdant. Hein. On est surtout quand tu l'achètes au prix standard, on va dire 25, 26, même 30 euros. Ça fait ultra plaisir. Le petit Carabaf qui tombe. Donc voilà, on est bien sur cette ouverture. En plus, il y a toutes les reverses. Dont la Evoli Reverse que moi je trouve vraiment au top. Voilà, j'espère que cette petite vidéo avec un cadre magnifique t'aura plu. Et on se dit à très vite. J'espère en tous les cas le petit mot de fin. J'espère qu'en tous les cas ce genre de vidéo te plaît. J'ai bien envie d'en proposer régulièrement sur la chaîne. Moi j'ai envie de te dire, j'adore. Essayer de trouver des petits endroits sympas, tu vois, pour pouvoir faire des ouvertures. Et n'hésite pas à me dire un peu quoi est-ce que tu en penses, tout simplement. Et puis on continuera évidemment toujours le même contenu, hein. Ça changera pas, surtout quand on aura des séries un petit peu tendance, voilà, comme on a pu avoir avec 151. Et j'espère que 6.5 ne sera pas si décevant que ça. Bon, mais comme d'habitude, merci encore et à très vite.